really hit her, take no pictures. Flash. Middle finger up, fuck the system. Fuck 'em. Ah. Yeah. Putain, qu'est-ce que c'est gênant. Wesh, ça va ou quoi? Et en ce moment, je suis actif, hein. Tous les mardis, nouvelle vidéo à 18h, n'oublie pas, t'inquiète. Ah oui. Enfin, il me l'a envoyé. 100 000 abonnés à main. Ouais, il était temps, hein. Depuis le temps. Bon bah merci YouTube. C'est grâce à vous, t'inquiète. Juste, je peux vous dire un truc? Mon anniversaire, c'est le 22 décembre. Ah, j'ai 23 ans. J'ai pas envie. 23 ans, toujours célibataire, hein. C'est... très grave, voilà, canard. D'ailleurs, en parlant de célibat, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les célibataires et les gens en couple. Non, parce que c'est différent, on n'a pas la même vie. Moi, pour ma part, qui ai vécu les deux situations, c'est pas la même chose. Il y a des bons et des mauvais côtés dans la vie. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà fait une vidéo sur être en couple, c'est pareil. Non, rien à voir, regarde jusqu'à la fin, tu vas voir. Déjà, pour commencer, ça c'est la première chose. Quand t'es en couple, tu peux pas avoir d'amis filles ou de collègues de travail filles, ou tu vois, juste tu parles avec elles. De temps en temps, vous échangez sur le travail. Ah non, c'est interdit. Putain, y'a rien. Même un match de foot, je sais pas, moi. Allô? Ouais, ça va et toi? C'est ma collègue. Ouais, mais c'est pour ça. Mais t'as dit quoi le patron tout à l'heure? Ta collègue. Qui ta collègue? Qui ta collègue? Ouais, non, non, c'est rien, rien, c'est ma copine, je sais pas. T'as quoi? T'as quoi? Ma copine. Non, ça bug, c'est tout. Allô? Tu joues quoi là? Oui, t'es qui pour mon mec? Excuse-moi, mon mari. Écoute, je vais t'expliquer un petit truc, j'en ai rien à foutre. Ta collègue ou pas ta collègue, ta copine, vous avez fait le bac à sable ensemble, je m'en fous. Écoute, je vais arrêter d'appeler sur le portable de mon mec, ok? Si vous avez des choses à vous dire purement professionnelles, vous allez vous le dire quand vous voyez. Mais c'est pareil, je m'en fous. Je veux plus jamais te voir appeler sur le téléphone de mon mari, est-ce que j'ai bien été clair? C'est bon, t'as fini? C'est ma collègue, pourquoi tu réagis comme ça? Eh, on peut même pas avoir, même des collègues, on peut pas en avoir. Vas-y, CFL. Moi, je m'en sens pas à côté de toi. Ouais, mais tu peux même aller dans le balcon si t'as envie. Tu peux même aller dans le balcon. Bah ouais, crise de jalousie à la con là. Ouais, ça tue l'amour, on aime pas ça. Nous. Un petit peu, c'est mignon, mais pas tout le temps. Alors que quand t'es célibataire, tu t'en tapes complètement. Ouais, y'a personne qui parle avec toi, je parle avec qui je veux, quand je veux, je réponds à qui je veux. Ouais, ça va ou quoi, Yasmine? Mais non, je t'ai pas oublié, bébé. Oui, je sais très bien, on va dîner ensemble ce soir. Attends, je te rappelle, je crois que c'est mon père qui m'appelle. Pourquoi tu me cries dessus? Mais je t'ai déjà dit, t'es la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux faire ma vie, non? Vas-y, je te laisse, 2 minutes, je dois couper. Mais non, mais non, mais non, dis pas des trucs comme ça. Très bien qu'il y a que toi que j'aime. Ah, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Quoi, il y a 4 meufs. Là, je suis sur 4 meufs. Les 4 meufs, elles sont ensemble sur moi. Demain, je vois elle, ce soir, je vois l'autre. Elle, la belle vie. Je vais rester comme ça toute ma vie. C'est le feu. Ça paraît, quand t'es en couple, qu'est-ce que tu dois faire? Tu partages tout. Donc, tu t'achètes une pizza ou un truc à graille. Obligé, tu partages avec elle. Je veux pas, moi. Je l'ai pris pour moi. Tu vas te l'acheter. Ah. Livre. Merci beaucoup. Bah écoute, merci. S'il vous plaît. C'est quoi? C'est pour boire, s'il vous plaît. Comment ça, pour boire? On dirait que c'est toi qui l'a préparé. Vas-y, 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 casse-toi. Il est fou, lui. Giflé, hein. T'as pris pizza là, quoi? J'ai pris poulet. Poulet? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'en veux. Mais non, t'as dit que tu voulais pas préparer à manger, t'as dit que tu savais pas faim. Oui, moi, j'ai préparé. Non, j'en veux maintenant. Oh là là, mais je peux pas manger tout seul. T'as qu'à commander. Comment tu portes? Vas-y, j'aime pas les trucs comme ça. On peut même pas manger tout seul, tranquille. Arrête de mâcher fort, en plus, je m'énerve. Elle est succulente, ça. Hey, c'est la seule part que tu prends. Hein. Moi, je te dis. Arrête de mâcher fort, tu me fais mal à la tête. Ah, le deuxième. Non, 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 non. Je sais là. Prends la sauce piquante, s'il te plaît. On a pincé. Non, j'aime pas la sauce piquante. La sauce piquante. C'est tout ça, hein. T'as plus que tu sais, t'as plus ça, t'es même tout. Ouais. Et je vous jure que dans les moments comme ça, il n'y a pas mieux que le célibat. Bonjour, c'est livré. Ah, super, merci beaucoup. De rien. Bah, merci. Un pourboire, s'il vous plaît. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh, la pizza, oh. Comment je vais me mettre bien. Oh, comment elle est archi bonne. Ça, j'ai pas besoin de partager avec qui que ce soit. Ni elle, ni l'autre. Et voilà, good. Eh, t'arrêtes, personne, moi. Il n'y a personne qui parle avec moi. Hey, ce que je veux, c'est ma pizza, ok? D'accord? Vous avez compris? T'as compris ou pas? Hey, quand je parle, tu réponds. Merci. Non mais quand t'es célibataire trop longtemps, c'est limite tu deviens schizophrène, hein. Tu vois des trucs, tu pars tout seul, ça y est, tu pètes les plans. Bon après c'est sûr, hein, quand t'es célibataire, il y a des trucs dont tu peux pas bénéficier. Bébé, t'en veux beaucoup un peu? Mais t'as craqué ton slip ou quoi? Ramène ton cul, tu manges ici. Oh, fou lui. Eh, hey, tu sais que pour une fois, tu vas pas manger tes grecs au cafard, ok? Que tu manges à la maison, tu fais des diarrhées incessantes, tu pues du cul, tu vas pas commencer à te plaindre ici, ok? Donc maintenant, tu prends tes petites boulettes, ton petit blé, ok? Tu viens, pose ton cul ici, tu manges, et bien sûr, quand t'as fini, tu laves. Mais c'est quoi ça?
Vas-y, on dirait même pas je vais avec ma meuf, je dirais que je vais avec ma mère. Que des coups de pression. Eh, je fais pas la vaisselle. Hein. Mais tu sais quoi? J'ai besoin de personne. Oh putain! Oh! Oh merde! Putain de merde, c'est quoi ça? Putain, pourquoi y'a personne qui m'aide? Même chauffer du pain, j'arrive pas, j'arrive à me cramer. Vas-y, j'ai même plus faim, je vais commander des pizzas. J'ai pas de meuf. Pareil, quand tu veux sortir, c'est qui va te saouler? C'est ta meuf. Ah, tu pars avec qui? Pourquoi? Comment? Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi... Eh, vas-y. Tu vas où, bébé? Je sais pas encore, je sais pas. J'ai pas décidé encore, faut que j'appelle tous mes potes et après je vois. Bah, avec qui tu vas? Je sais pas encore, je... Qui je connais? Bah, y'a mes potes avec qui je traîne d'habitude. À quel bar? Bah, je sais pas, dans le quartier, je pense. Je pense dans le quartier, de toute façon, on verra sur place. Hein. Et tu comprends à quelle heure? Je sais pas encore, on n'a pas décidé, ça dépendra de la soirée. À un moment donné, je te posais plus de cette question. Non, parce que là, je commence à me taper sur. Je te posais cette question, t'es pas capable de me répondre. Et bah, tu sais quoi, tant que tu seras pas capable de me répondre, tu sors pas de cette maison. Mais j'ai pas décidé, tu joues à quoi là? Je m'en fous, tu sors pas de cette maison, je te pousse. Tu sors pas de cette maison, tant que tu sais pas où tu vas. On dirait que je sors avec un agent de sécurité. Comment ça, tu veux pas que je sorte? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi, tu veux sortir avec moi? Vas-y, viens, prépare-toi. Pas de colle mon frère, vous savez quoi quand t'es seul? Y'a personne qui va te dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars, à quelle heure non. Tranquille. Wesh gros. Ça va quoi? Ça va quoi? Je suis avec une équipe de meufs en bras. Habille-toi vite, ce soir c'est nous. Oh chan mais attends 2 minutes, je prends ma main. Eh hey, je te dis pas le groupe des meufs, rebeux yeux vite. Oh ouais, refait. Eh ce soir ça va être une grosse. Eh ce soir, grosse bleu pas, c'est pour moi ma gueule. Tout est pour moi. Mec, je te dis ça va être énervé. Oh la la. Heureusement pas de meuf. Mais ça sert à rien, ça sert à rien, c'est que de la prise de tête. Tac tac. Le butine, tac tac. Eh on a pas le temps. Ça par contre c'est un sujet sensible. C'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Je m'en fous, t'es la femme de ma vie et je suis très content d'être avec toi pendant Saint-Valentin. J'espère que ce repas te fait plaisir, que ça prouve mon amour envers toi. Donc vas-y, tu peux commencer à manger. Ok. Hein. Sache que c'est une des plus belles soirées de toute ma vie. Un autre amour. C'est comment qu'on fait les gens? Ça. Votre fête là, Saint-Valentin à la con là. Pas besoin de ça moi. Alors qu'est-ce que tu me réserves ce soir bébé? Un restaurant, t'es pas prêt du tout. Oh là là, je suis... Attends. Allô? Ouais, ça fout quoi ce soir? C'est la Saint-Valentin gros. Comment ça la Saint-Valentin? Quel Saint-Valentin frère? Ouais, il n'y a pas de Saint-Valentin. Je sors ce soir. Comment ça tu fais le bouffon? Tu vas sortir avec ta meuf? Depuis quand t'as une meuf toi? Ah ouais, j'ai une meuf. Wow, comment t'as changé? Ouais, bah vas-y, je te laisse tout seul hein. Ah, vas-y, 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 bonne soirée. Mais pourquoi moi j'ai pas de meuf? Je fais quoi moi du coup? Vas-y. Vite ma mère on verra, vite ma mère on verra. Ça sert à rien, il m'appelle après, il me dit ouais viens on sort. Ça sert à que ça meuf, vas-y ça. Alors c'était qui au téléphone? C'était un schlag, célibataire le pauvre, il va pas faire arrêter tout seul. Je vais vous dire la vérité, je suis jeune. Bien sûr ça n'arrive plus hein, depuis, étant donné que tous mes potes sont célibes. C'est la haisse, on est tous pareils. Qui a déjà fait les boutiques avec sa meuf? Je t'explique, on achète que quelques petits trucs hein, ça va vouloir prendre tout le magasin. T'inquiète pas, prends les chariots et on y va. Allez. Tu vas mollo? Oui. Pas millionnaire. Putain, j'aimerais bien un petit tapis de course pour la maison. Ouais, bien sûr, et plus qu'encore. Tu veux pas des chevaux? Oh, je kiffe. C'est vraiment les leggings que je mets. Tu aimes pas de sport? Pourquoi tu prends ça? C'est toi. Vas-y, vas-y, tu fais quoi là? 30 Allez, euros. On y va. Mais tu crois que je vais acheter un débardeur 30 euros? Je kiffe cette couleur. Alors, tu préfères quoi? Cette couleur? Non, t'es trop dans l'excès. Eh, doucement, cette couleur ou cette couleur? Arrête, sinon je vais laisser les casiers. Cette couleur ou cette. Bon, les deux. Arrête, t'as toujours voulu faire du sport, tu t'en as jamais fait. T'en as jamais fait, ça sert à rien. On est inscrit dans 4 salles de sport, tu vas dans aucune. Moi je prends pas ça. Pardon, merci. Oh, ça. Non, tu prends pas ça. Mais pas... Oh, prends. Mais je vais bien où ça? Je me pose sur ta tête. Sinon, je peux prendre quelque chose pour moi? Parce que je vois, y'a que toi qui choisis. Ma petite soeur. Moi, ma petite soeur voulait un cadeau, ma grande. Ouais, non, je prends pas de cadeau pour ta petite soeur et pour toute ta famille. Vous êtes 17. Je peux pas prendre des cadeaux pour tout le monde. Oh, je prends pas tout ça. Oh, ouais, mais c'est un cauchemar. Hein. Tu claques plus pour elle que pour toi. Y'a pas mieux quand t'es tout seul. Personne qui te saoule, personne qui te casse la tête. Ça fait 8 fois on a fait ce rayon. Allez, viens. Putain. Bon, dépêche. Aide-moi, gros. Tu peux en mettre un peu de pied là? Putain. Oh la misère, heureusement que je suis célibataire. Heureusement, merci mon dieu. Le petit va pas être. Ah ouais, t'as arrêté la hesse. C'est quand même des dépenses en moins. Tu dépenses moins, tu te casses moins la tête, tu prends des petits trucs et tu te casses. C'est lourd. Y'a ça aussi, je suis désolé, quand t'es en couple, c'est galère.
Wesh, ouais, tu joues à quoi là? Mais dors correctement, regarde toute la place que tu prends. Écoute, si t'es pas content, tu te barres, ok? Tu te barres, ok? Et déjà passe-moi la couverture, c'est la mienne, c'est moi qui l'ai acheté. T'es là, y'a pas de place, tu transpires, il fait chaud. J'aime bien être tout seul. T'inquiète. Les lits superposés aussi, c'est pas mal. Oh. Son stylé, hein. Ah oui, que ce soit bien clair, je parle juste en général, hein, je suis pas un crevard. Non, mais c'est bien de le préciser. Pour ma future femme, c'est bien. Comme ça, elle sait. Comme ça, elle se dit pas, lui, c'est la pince. Puis voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mettez des likes. Eh, les meufs célibataires, mettez-le en commentaire. Peut-être que je vais en pêcher une, t'as vu. Non, je déconne. Et comme d'hab, abonnez-vous à ma chaîne YouTube juste en bas. Hein. Cliquez sur la petite cloche et sur s'abonner. On est quand même bientôt 500 000 sur ma chaîne, hein. C'est là, je vais péter un plan. Donc merci beaucoup et salut, hein. Allez, ciao. T'as pas mangé tes grecs qui se crient du cul, quoi. Maman est dans le balcon. Mais pas de d'habitude. Mais quel... T'as pas mangé tes grecs au cafard, ok?